Alors là, en fait, je vais partir sur une séparation d'oreille à oreille en passant par le sommet du crâne. Donc là, ce que je mets sur le cheveu, c'est une cire, en fait, une pâte d'argile pour justement éviter que tous les petits cheveux se promènent. Donc là, par contre, ça demande, comme quand on fait une queue de cheval, un peu de lissage. Là, on va prendre un élastique crochet. On vient mettre le premier crochet dans la queue de cheval. On peut séparer la queue de cheval en trois. Et on va crêper. Pour faire en fait comme la... pour faire une base en fait. Donc après, on va venir fixer le boudin qu'on a créé sur l'élastique en fait, pour cacher l'élastique. Là, il reste toute la partie de l'avant et les côtés. Donc ce qu'on fait, c'est que la cliente vient crêper juste dessus, juste la racine, par rapport au mouvement en fait. La cliente vient lisser le crêpage avec ses doigts. Et après, voilà, on vient bien lisser le côté pour venir le fixer en fait sur la base qu'on a crêpée avant. Et là, avec le reste, elle vient juste tout simplement mettre dessus. Et voilà, le chignon est fait.